Bonjour tout le monde, je suis Mike de Headrush et je suis heureux de vous présenter le nouveau Geekboard de la marque. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau rig. Donc ici, nous partons de zéro, avec 11 emplacements vides. Pour commencer, nous allons toucher l'un des blocs vides. Et vous avez toutes vos options dans le menu ici. Je vais sélectionner un ampli. Je vais choisir quelque chose d'un petit peu agressif. Alors je vais prendre le SL100 Extended Range. Nous allons pouvoir écouter ce que ça donne maintenant. Pas mal. Je peux commencer à sculpter ma tonalité. Je tape deux fois sur l'ampli. Tous les paramètres sont là. Et je peux faire quelques ajustements mineurs. Ok, voyons ce que ça donne. Parfait. J'aime le résultat. Je vais continuer à travailler mon son. Je vais éloigner le baffle de la tête d'ampli maintenant. Ce qui va me permettre de placer différentes pédales et différents blocs entre la tête et le baffle dans un espace virtuel de boucle. Ça va capturer votre son comme s'il s'agissait bien d'un vrai ampli et d'une vraie pédale. J'ajoute un petit peu de reverb. Je vais toucher le bloc vide entre les deux et faire une sélection. Je vais prendre une spring reverb. Voyons voir. Pas mal du tout, mais un petit peu trop épais à mon goût. Ajustons le tir. C'est beaucoup mieux. Sortons de là. Maintenant, ajoutons un petit peu de delay. Je vais choisir un delay dynamique, en stéréo, par défaut. Écoutons ça. Vraiment cool, mais encore un peu trop épais. Donc je vais faire quelques ajustements. Je vais diminuer le mix. Et je vais ajuster le feedback. Je modifie un petit peu les paramètres de delay. Maintenant, ça devrait être bon. Cool. Encore une pédale et ce sera bon. Juste un petit peu d'overdrive pour réchauffer le son. Et nous allons pouvoir écouter ça. Super, j'adore ce son. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ajuster un peu le stéréo en touchant simplement le bouton de signal sur la droite. Ça va me permettre de faire des tas de choses. Pour cette démo, je vais séparer le delay et la reverb, un à gauche et l'autre à droite. Je vais aussi aller dans le mixeur. Et je vais régler le pan tout à fait à gauche et tout à fait à droite pour qu'on entende la reverb dans le canal de gauche et le delay dans celui de droite. Écoutons ça. Voilà, c'est fait. Je peux sauvegarder ce rig et je serai prêt. Cliquez sur le bouton Save en haut, Save New Rig. Voyez ce grand clavier pour la saisie et donnez le nom que vous voulez.
sauvegarder, et vous pouvez maintenant l'utiliser quand vous voulez. Voilà comment vous créez un rig sur votre Geekboard Headrush.